Salut tout le monde, on est parti pour un nouveau numéro de Yandere Simulator Edition Yandere-kun. Let's go! Yandere Simulator, c'est bon, top! Resume game. Why so sad? That is better. Allez, on est parti pour le premier défi qui nous vient de Amy qui nous dit change ton visage, change tes chaussures et mets les gants du club de théâtre. Donc c'est parti, on va changer le visage, hop, boum, ça ne change absolument rien. On va changer les chaussures, hop, ça ne change absolument rien. On va rejoindre le drama club et mettre les gants et ça ne change absolument rien. Par contre, on remarque cette petite collerette, je sais pas comment ça s'appelle ce truc, mais en tout cas, ça par contre, ça se met. Défi suivant. Wow. On a maintenant une question qui nous vient de Lily Poop, qui est d'ailleurs très mignonne, qui nous demande de tester toutes les tenues avec les Yandereken. C'est parti. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui. Allez, Yandereken, on veut te voir à poil. Alors attention, attention les yeux. Et oh là là. Oh là là. Oh, faut censurer ça. Oh là là, non, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est... Oh, c'est tout public ce jeu ou comment ça se passe là? Non, non, c'est trop choquant, trop choquant. Vite, vite, vite. On va tester le maillot de bain. Attention les yeux. Oh là là, sexy. Maintenant, la tenue de gym, je m'attends vraiment à rien. Voilà, c'est super. On va essayer d'être à poil du coup. Voilà, j'ai de la mousse sur les tétons, donc je suppose que je suis à poil. Et on va aller prendre une douche. Une petite douche habillée, au calme, je suis pas du tout en train de craquer. Du coup, on va rentrer chez nous pour pouvoir tester le pyjama. Mais je me demande même si le mode va rester chez nous. Je ne pense pas. Je ne vois pas pourquoi il resterait. Honnêtement, les modes Falcon et tout ça, c'est jamais resté. Donc je vois pas pourquoi celui-là resterait, vu que ça s'obtient par le même processus. Go home! Et attention, je vais me transformer en fille avec une poitrine et un vagin. C'est un échec pour ce défi. On passe au suivant. Let's see what else the cards say. Notre prochain défi nous provient tout droit de Nemesis Jan en personne qui nous demande ce qui se passe lorsqu'on change d'uniforme. Alors honnêtement, je crains le pire parce qu'il me semble qu'à chaque fois qu'on reset le jeu, on redevient Ayano. Et changer d'uniforme, ça revient à passer par le debug menu et à reset le jeu. Il me semble, on va tester. On va mettre l'uniforme F3. C'est parti. Attention. On va juste se transformer en Ayano. Je le sens. Et gros, comme une maison. Et voilà. Par contre, ce qu'on peut tester, c'est de redevenir Yandereken. Et non, on ne change pas de costume. Même les mecs ont plusieurs styles de costumes. Mais nous, on n'en a qu'un. C'est pas encore au point. On passe au défi suivant. It's gonna be okay, man. Pour le défi suivant, on a Jeanne qui nous demande quelle tête fait Yandereken lorsqu'il démembre avec une fleur dans les cheveux. Donc c'est parti, direction le club de jardinage. Hop, une petite fleur dans les cheveux, voilà, hein, c'est pas super. On va récupérer la scie circulaire, hop, et on va essayer de démembrer quelqu'un. Donc vas-y, suis-moi, Daku. Ok, little world. Voilà, on va se mettre là et... Blah! Holy crap. Ok, c'est vraiment bizarre de voir... un mec démembré, on n'est pas habitué honnêtement. Et voilà, on va voir ça. D'accord, il a des traces de sang vraiment très chelou sur les bras. Et sa tête n'a aucune expression. Il démembre au calme, comme si c'était, je sais pas, préparer un poisson. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Ce mec a l'air 10 fois plus fou. On va en profiter pour voir la tronche qu'il a quand il rigole. Oh là là. Oh là là, oh là 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 là, on dirait qu'il a un masque. C'est dégueulasse. Défi suivant. Change de coiffure avec Yandereken. Pouce bleu pour qu'il le fasse. Vas-tu le faire, Deo? Bien sûr que je vais le faire, Fête Foraine, Deo. Alors, on va appuyer sur... On va enlever la fleur, déjà, c'est un petit peu chiant. Voilà, c'est parti. Attention, H. Holy fucking crap. Non mais oh, c'est c'est Ayano qui a poussé à la salle en fait, c'est juste ça. Non mais c'est trop bizarre. Oh là là. Oh là là. Sans déconner. Attends, mais regardez, mais mettez-la à côté de la prof. Non non, quand même la prof est à peine plus grande, mais quand même c'est assez choquant. C'est assez choquant. Oh, on se tient par la main. Allez, attends attends. Il faut que j'aille voir les autres. Faut qu'on se mette à côté. Non mais sans déconner, mais regardez-la. Elle est pas normale. On dirait qu'il limite qu'elle va lui mettre un coup de boule à Senpai. Non mais sans déconner. Waouh, Ayano quoi. Tu me choques.
Et c'est que la première coiffure. Après bon, ça va être globalement... C'est le même effet en fait. C'est une... Tu te dis que c'est une nana avec un putain de corps. Waouh ! Waouh ! On dirait... le mec de Shindea, il a de Vox, mec. Waouh ! C'est trop ça. Oh non ! Oh non ! Tellement con! Oh là là! Y'a quasiment rien qui lui va, quoi! Oh là là, mais faites-lui des coupes d'hommes, quoi! C'est pas possible, ça! Ouais, non! Regardez, regardez comme ça va pas! Sa tête est trop grosse! Oh, je veux le voir avec la coupe d'Hatsune Miku, là! Attends! Oh, Natsu! Ah, oh, dégueulasse. Inato. Ah, ça c'est la première qui pourrait peut-être lui aller, quoi. Mais bon, j'aime pas trop. Oh, putain, on dirait qu'il s'est fait chier dessus par un pigeon malade. Oh non, tu as tué Sailor Moon. Eh, hey, pas mal celle-là. Oh non. Et voilà. C'est limite celle qui lui va le mieux. Bah écoutez, beaucoup de gens s'accordent à dire que la coupe de Yandereken est pas terrible. Ce qui est pas faux. Mais honnêtement, parmi toutes celles qu'il a... C'est une des meilleures. Hein. Après, je le verrais mieux, tu sais, avec, je sais pas moi, pourquoi pas la coupe à Ryuto, ou alors à lui, là, cheveux verts, j'ai oublié son nom. Mais ouais, c'est vrai qu'elle est un petit peu plate, un petit peu dégueulasse. Attends, est-ce qu'on peut lui changer les objets? Oui, on peut lui changer les objets, on s'en fout. C'est pas ce que je voulais faire à la base, bon, on s'en fout. Tac, voilà, je vais lui mettre des lunettes. Ouais, non, en fait, ça fait pas l'effet que je voulais. Bref, défi suivant. I'm responsible, dude. Essaie de mettre un mode pour voir comment ça fait, surtout. Tornado et Blade. Allez, c'est parti. Donc, il y a plein de gens qui pensaient que ce commentaire marcherait pas parce que je l'ai vu plusieurs fois, hein, parce que soi-disant, Yandereken, c'est déjà un mode, donc... Mais si, on peut mettre plusieurs modes, hein, on l'a déjà fait. Du coup, c'est parti pour le Tornado. Hop, holy crap. Holy crap. Ça ne ressemble à rien. Je savais que les costumes n'allaient pas marcher. C'est pour ça que j'avais dit, d'ailleurs, c'était le top commentaire. Alors, il y a plein de gens qui pensaient que c'était une bonne idée, alors que c'était juste la seule idée que j'avais donnée de mettre le démon des flammes, parce que je pense que les costumes ne sont pas du tout adapté, et voilà, t'as des boobs qui apparaissent de nulle part. Je pense que là, on est fixé, vu que quand il met ce costume, il a des boobs, Yandere-chan se rembourre depuis le début, c'est ses costumes qui lui donnent ses... On t'a grillé, Ayano. On va tester avec le Blade, maintenant. Ouais, bon, le Blade, c'est pas terrible, quoi, c'est juste la coupe de cheveux d'Hatsune Miku en un peu plus rose, quoi. On va tester autre chose. Je sens qu'on va m'en vouloir si je teste pas Undertale, donc... Je suis le seul à être déçu. Allez, on va tester Slender. Oh! Oh, mais il est limite bien! Les mains sont dégueulasses! Oh mon dieu! Oh, regardez le courir! On dirait un schlag! Oh là là! Vas-y, Donkey Kong. Oh man! Et je crois que lui, on peut encore le fusionner. Ouais, j'en étais sûr. Alors, on va mettre... Allez, le cyborg. Oh man! Oh mon dieu! Il faut une musique d'animé par-dessus ça. C'est quoi ces mains? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On passe au défi suivant. What's this now? Alors en fait, on a testé tous les défis que j'avais trouvés dans les commentaires. Du coup, on va tester le mien. C'est parti. On va au club occulte et on va passer en mode démon des flammes. Je fais pas le démon de la souffrance parce que globalement, ça va juste être lui avec des yeux blancs. Alors que le démon des flammes, ça peut vraiment être dégueulasse. Donc c'est parti. Cooking club, c'est pas ici. Que je me rappelle de ce qu'il faut faire. On chauffe. Putain, mais regardez, il est tout tordu. Il est pas adapté. Il est trop grand. On le replante. Oui, je mets ton pouvoir. Bon, ils arrivent, les membres du club. Voilà, ils sont là. Salut les potes, je suis nouveau. On se serre la main. Hop là, bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, la forme. Et toi? Reviens là, toi, je t'ai pas serré la main. Oh, tu me check. Attends, mais il va trop vite. Il va trop vite, ce fils de chien. Il va trop vite. Non. Non, sans déconner, il va trop vite. Yandereken est plus lent que... Oh, Yandereken est plus lent que Ayano. C'est un scandale. Ayano, elle les rattrape, je vous jure. C'est un truc de fou. Allez, on est reparti pour une deuxième tentative. On commence par ceux qui sont proches des portes, parce que sinon, ils vont me faire la même. Hop, hop, attention, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Attention, oh là là, il s'est figé comme un poteau, le mec. Holy crap.
C'est dégueulasse. C'est tout simplement dégueulasse. Et j'en viens même à douter que, mais avec le démon de la souffrance, il y ait la moindre modification. Il aurait même pas les yeux blancs parce qu'en fait, son visage est un putain de masque. Il n'y a rien qui peut changer. Je me demande même s'il cligne des yeux. Est-ce que tu clignes des yeux? Pas l'impression, mon gars. Non, sans déconner. Regardez-moi ce costume. Moi, j'ai même pas besoin de le voir cracher des flammes pour avoir peur. Sans déconner. Oh là là. Prenez ça. Non, senpai. Senpai. Voilà, c'était un petit épisode. Ah, ben attends. Qui c'est qui essayait de s'enfuir quand je l'ai tué avec la commande? Ah, Yui. Tu croyais vraiment me la faire à moi? Bref, c'est un petit épisode bien sympa. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Laissez un like, c'est méga important. Dans tous les cas, on se retrouve... Ah non, 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 j'ai un truc à dire. J'ai un truc à dire. Concernant le design du t-shirt pour lequel vous avez voté, c'est le 2 qui a été choisi parce qu'il a plus de 50% des voix sur 3 t-shirts. Donc je l'ai envoyé à One Geek One Shirt. Dans la description, vous avez un lien et en fait, ça va vous permettre de voter pour le t-shirt. Et en fait, le vote va surtout vous servir à recevoir une notif quand le t-shirt sera mis en vente pendant 24 ou 48 heures. De toute manière, je vous préviendrai en vidéo, mais voilà, si vous voulez avoir une notif par, je crois, mail, bah vous avez juste à voter pour ce t-shirt et en fait, voilà, quand il sera mis en ligne, ça vous préviendra tout ça. Bref, donc dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour le prochain vidéo. Et ciao!